Alors bonsoir. Bonsoir tout le monde. Louise-Anne en live avec vous pour des enseignements importants sur comment vraiment venir se manifester avec le plus de fluidité, de facilité, de légèreté dans notre vie, hors de ces cycles de répétition qui nous enferme, qui nous parfois nous décourage. Alors, je vais juste attendre de voir si vous êtes avec moi, si les gens se connectent. Faites-moi un beau bonjour. Essayez de me faire des pouces, des cœurs dans mon nouveau système. Je les vois pas toujours, mais venez me dire bonjour dans les commentaires. Ça, je le vois, les commentaires. Alors, du moins, j'espère. Pour l'instant, il n'y a aucun commentaire. Alors, si quelqu'un serait assez gentil pour me dire un beau bonjour, je l'apprécierais. Comme ça, je saurais que mes commentaires fonctionnent. Présentement, il n'y a aucun commentaire. Je vois qu'il y a 28 personnes en ligne. Donc, j'ai un bon plan de match. Oui, ça marche. Je suis toujours contente de vous lire. C'est beaucoup plus facile pour moi d'interagir avec vous. Alors, je vois Muriel, Cécile, Pauline, Doris, Carole, Sylvie, Daniel. Allô, allô, tout le monde. La belle Yvonne qui arrive aussi. Denise, Claudette. Alors, bonsoir, tout le monde. J'ai un live, je dirais, important pour vous ce soir. Un live avec beaucoup d'informations sur comment venir s'installer dans notre vie d'ici maintenant, la Terre, avec le moins de friture sur la ligne. Hein? On va dire ça comme ça, friture sur la ligne. On va parler des cycles de répétition. On va parler du poids du passé et on va parler d'une information très intéressante dont je ne parle pas souvent. Et ben, on va attendre un peu que les gens arrivent, que les gens ne manquent pas cette information que je voulais vous donner plus au début du live. Donc, j'en profite pour vous dire des beaux bonjours à tout le monde. Il y a Chantal, deux Chantal, Chantal et Chantal, Nicole, Sylvie qui est là, Gilbert, Anouk, Monique, Karine, hola, hola belle à toi-même, ma belle Karine. Bon, Maïka est là. Allô, Lucie, coucou. Madeleine, Chantal. Donc, ça y va rondement ce soir. On est déjà 80 en ligne. Je crois que le sujet dont je vais parler ce soir est un sujet qui est généralisé. C'est un sujet qui va toucher tout le monde et qui va venir donner de l'information très, très, très importante sur comment, je disais en début de live, venir alléger notre vie et sortir de ces cycles de répétition du passé. Hein, souvent, on peut même faire des liens entre ces cycles de répétition du passé et des espèces de tracts de pneus, si vous voulez, qui seraient dans la boue, là, et qui, tu sais, qui font des ornières, puis qui fait que quoi qu'on essaie pour se sortir, pouf, on retombe tout le temps dans la même affaire, puis on essaye, puis pouf, on retombe, puis on retombe. Et à un moment donné, ça devient épuisant, ça devient épuisant, ça devient décourageant, et ça peut nous faire vivre beaucoup d'impuissance parce que tout le monde a une extrême bonne volonté de rendre sa vie légère, joyeuse, significative, fluide. Je connais personne qui aime ça compliqué. J'en connais pas. Les gens, ils veulent que ça soit fluide, ils veulent que ça soit facile, mais il y a quelque chose de plus fort que nous, que souvent on ne conscientise pas ou qu'on ne connaît pas ou qu'on n'arrive pas à nommer, qui fait que, pouf, même si avec toute notre bonne volonté de la Terre, nos bonnes intentions, notre pensée positive, les lectures qu'on fait, même les rencontres thérapeutiques qu'on peut faire, les formations qu'on peut faire, câline de bine, pouf, on retombe dans notre chemin, puis on fait, mais non, ça pas ça, ça se peut pas que je sois encore retombée dans ce type de situation-là. Et ça, ben, on a tous des thèmes. Hein? Alors, il y en a qui ont tendance à retomber dans des difficultés monétaires, il y en a qui ont des difficultés relationnelles, il y en a qui ont des difficultés au travail, il y en a qui ont des difficultés familiales, et on a des cycles de répétition. Puis je suis sûre que là, si j'étais capable de vous parler à toutes, vous pourriez probablement me dire, oh oui, mon Dieu,
telle chose se répète dans ma vie, telle chose se répète dans ma vie, et voilà, telle chose se répète dans ma vie. Je pourrais même vous dire que moi, j'ai des trucs qui se répètent dans ma vie, malgré que j'œuvre en moi, hein, depuis plus de 30 ans. Il en reste parce que c'est du bagage qui est chargé, je vous dirais. C'est du bagage qui vient de notre âme, de toutes les vies qu'elle a vécues. C'est du bagage qui vient de toute notre lignée transgénérationnelle. Et c'est du bagage qui vient de toutes nos expériences de cette vie ici et maintenant. Donc, c'est moi ce que j'appelle les cycles de répétition dans les trois spirales. La spirale des autres vies, la spirale du transgénérationnel et la spirale de l'ici-maintenant. Et dans la spirale des autres vies, on peut en mettre du stock. On peut mettre nos autres vies, on peut mettre nos vies parallèles, on peut mettre nos vies sur les autres planètes, on peut mettre tout ce qui vient avoir une empreinte à l'intérieur de nous. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Comment reconnaître ces empreintes-là, comment voir l'impact qu'ils ont sur notre vie malgré notre infinie bonne volonté. Et présentement, on vit à une étape spéciale de l'humanité et vers le milieu du live à peu près, je vais vous amener des enseignements que je donne très, très, très rarement sur cette étape de l'humanité. J'ai commencé à en parler un peu dans mes Zooms privés, dans mes formations privées dernièrement et je crois que ce qui se passe présentement est tellement notable que ça devient important de commencer à nommer ces cycles-là et comment tout ça peut fonctionner. Alors, un beau bonsoir à tout le monde qui vous connectez encore joyeusement et bienvenue avec nous pour ce partage de ce soir sur les boucles du passé et comment s'en sortir. Il y a une expression qui s'appelle l'ouroboros. Je sais pas si vous connaissez ça, mais un ouroboros, c'est une image que vous pouvez chercher sur Google. Un ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Et tant et aussi longtemps qu'on vit dans des cycles liés à l'ouroboros, c'est on fait des tours sur soi-même. On pense qu'on s'en est sorti, puis foum, on est reparti sur un autre tour. Puis on pense qu'on s'en est sorti, puis foum, on repart sur un autre tour. Par contre, la beauté de tout ça, parce qu'il y a toujours du côté positif, éducatif, de conscience dans toutes nos expériences, c'est que ces spirales de répétition-là sont habituellement ascendantes. Donc, c'est-à-dire qu'on va vivre un truc dans notre vie, et tout à coup, il va faire la boucle, puis pouf, on va le revivre, mais on va le revivre d'un nouveau point de vue. Souvent un peu plus éclairé, en sachant un petit peu plus, ah, c'est quoi les enjeux, en comprenant un peu plus qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre. Donc, les cycles se font aussi de cette façon-là, quand même intelligente. Donc, voilà. Je vous disais que moi aussi, j'avais de ces cycles-là, bien évidemment, et que la semaine dernière, j'en ai eu un. Je ne savais pas trop ce que j'avais, mais j'avais beaucoup, beaucoup d'émotions. Et présentement, sur Terre, beaucoup de gens ont beaucoup d'émotions. Et des fois, parfois, on a beaucoup d'émotions et on ne sait pas pourquoi. On sait juste que on est un peu englouti. Il y a ce dont je vous parle depuis déjà 3 ans, qui est l'amplitude de Schumann. Alors, quand la Terre nous fait un gong dans l'amplitude de Schumann et que les fréquences montent, ça brasse un petit peu la cage et là, on peut avoir des montées émotionnelles. Quand on a des montées émotionnelles, c'est ce que moi j'appelle décristalliser. Hein? Il y a une jeune fille sur Facebook aujourd'hui, sur YouTube aujourd'hui qui m'a écrit en me disant « Qu'est-ce que tu veux dire, Louisanne, quand tu me dis décristalliser? » Bien, décristalliser, quand on a des grandes émotions et qu'on arrive à les dégager, on décristallise, c'est-à-dire que ce qui était durci à l'intérieur de nous, dans les mémoires, dans les programmes limitatifs, ce qui était comme un peu rendu des fois comme du bois ou des branches mortes, c'est comme si quand on décristallise, c'est comme si on libère, on allège, on met du mouvement, et etc., etc.
Donc, la semaine dernière, j'ai eu un petit moment de décristallisation personnelle et souvent, moi, je rentre dans des états très intuitifs. Et ce soir-là, j'ai marché vers cette pièce-ci et j'ai pris un livre qui est ce livre-là. Je crois que ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez c'est quoi ce livre-là. Et j'ai testé avec mon outil de la kiné. Je vais vous en parler plus tard de la kiné ce soir. J'ai testé avec mon outil de la kiné. Qu'est-ce que j'avais besoin d'entendre? Qu'est-ce que j'avais besoin de conscientiser par rapport à cette peine-là qui se présentait à moi un soir la semaine passée? Là, je vais juste voir. Bon, alors parfait, il n'y a pas de question directement. Donc, dans le livre de la lumière, pour ceux et celles qui l'ont, j'ai pigé le texte 180, qui est à la page 309. Donc, le texte 180. Et je vais commencer ce soir par vous lire ce texte-là et vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'essence de l'enseignement qui va être donné ce soir, des informations qui vont être données ce soir. C'est dans ce sens-là qu'on s'en va. Alors, j'étais sur mon lit, un petit peu émotionnel, et je tombe sur ça, 180. Et le titre est « N'importe quoi fera l'affaire ». Alors, je vous le lis. « N'importe quoi fera l'affaire quand vous avez besoin de continuer à travailler sur quelque chose dans votre vie. Lorsque vous allez au cœur du problème, dans l'essence de l'émotion, que ces problèmes causent, c'est une manière de relâcher plus de densité, c'est ça, décristalliser, relâcher plus de densité et de libérer plus de karma. Vous êtes des objets de mémoire. Vous êtes pratiquement absent du présent. Vous êtes à 80% dans le passé et à 20% dans la peur de remonter dans le passé. C'est la raison pour laquelle vous vous projetez dans le futur en vous disant, je vais faire ça, voici mon projet, j'ai hâte que ça aille mieux parce que là, j'aurai ce truc-là, je vais avoir du succès, je vais me rencontrer un amoureux, je vais me trouver un travail, je vais me trouver ma maison, je vais, je vais, je vais, et on se projette dans le futur. Ce sont des déclarations classiques faites par quelqu'un qui projette tous ses espoirs dans l'avenir, ne comprenant pas que le futur est composé des choix qu'il fait aujourd'hui. Mais pour faire des choix maintenant, vous avez besoin d'être synchronisé dans le ici et maintenant et de savoir comment répondre aux impulsions que le présent vous apporte pour relâcher la densité. Parce que si on est synchronisé dans le passé, ou dans la peur d'y retourner, on n'est pas dans le ici maintenant. Donc, nos signes, nos actions libératrices, on ne les fait pas. On est dans le passé. Je continue. Et ce n'est que lorsque vous relâchez de la densité dans l'ici et maintenant que vous pouvez être assez purifié, décristallisé, libéré, pour faire des choix aujourd'hui qui continueront de construire un meilleur lendemain. Comme je l'ai dit, ben c'est l'auteur du texte, comme je l'ai dit, n'importe quoi fera l'affaire pour que vous puissiez travailler sur l'ici et maintenant. Tout est une bonne raison, n'importe quoi. Tout ce qui vous arrive, absolument tout, si vous trébuchez sur une marche ou qu'un enfant ou un parent vous embête, etc., aide à identifier ce que vous ressentez et que vous ne conscientisez pas que vous ressentez. Quand je vous dis la vie extérieure et le reflet de la vie intérieure, c'est de ça que je parle. C'est que tout ce qui se passe à l'extérieur ne fait que nous donner de la clarté, de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, et au moment où vous êtes concentré sur ce que vous ressentez, parce que c'est là que ça nous amène, les expériences dans le monde, si ça nous amène dans « Ok, comment je me sens? » Ok, conscience, comment je me sens? Considérez cette émotion comme une mémoire d'une vie antérieure où vous vous êtes trouvé dans une situation identique ou une mémoire
du transgénérationnel où un de vos ancêtres s'est trouvé dans une situation identique ou une mémoire de votre enfance, adolescence, autre partie de votre vie où vous vous êtes trouvé dans une situation identique. Quand j'étudiais en bio, en symbolique biologique, les professeurs nous disaient toujours « Vous ne réagissez qu'à ce que vous connaissez. Vous avez peur que de ce que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne réagissez pas. » Donc, à chaque fois que vous réagissez par rapport à n'importe quelle facette de votre vie dans l'ici-maintenant, sachez absolument que vous connaissez ça. Ou que votre inconscient le connaît parce que ça appartient à un ancêtre, ou que votre inconscient le connaît parce que ça appartient à une mémoire d'une autre vie, autre planète, autre dimension. Voyez-vous comment ça marche? Ça, c'est un mode d'emploi généralisé pour tout ce que vous vivez. Donc, faites appel au vaisseau de lumière pour extraire cette densité de votre cœur. Ou faites appel au EFT, technique de libération émotionnelle. Ou faites appel au Ho'oponopono. Ou faites appel à la méthode MIR que j'enseigne dans certains de mes ateliers. Allez vous chercher des outils pour libérer ces densités-là. Déjà, c'est énorme. C'est tout. C'est ainsi que cela fonctionne. Maintenant, c'est à vous de choisir où l'utiliser dans votre vie. Ou appliquer cet enseignement-là dans votre vie. Je crois que vous pouvez l'utiliser tout le temps. N'importe quand, n'importe où. Chaque fois que quelqu'un vous ennuie ou vous met mal à l'aise, c'est ainsi que cela fonctionne. N'importe quoi fera l'affaire. Donc, n'importe quoi qui nous arrive fera l'affaire pour nous installer plus de conscience, plus de discernement, plus de clarté dans ce que l'on porte encore dans notre inconscient, ce que l'on porte encore à l'intérieur de nous. Vous comprenez comment ça marche? C'est comme ça que ça marche. Et là, ça peut nous mettre dans toutes sortes d'états, dans toutes sortes d'impuissances, dans toutes sortes de « Oh my God, que j'en peux plus » parce que vivre dans l'ici et maintenant, c'est un grand défi. Parce que c'est presque notre nature de survie, c'est presque notre pilote automatique de cerveau reptilien qui lui veut juste qu'on survive et qu'on mange et qu'on ait un toit. Ce cerveau-là, reptilien, est un des grands boss de notre vie. Et lui, ben, toutes ces mémoires accumulées-là, ben, il nous met un peu sur l'alerte rouge. Et quand on est sur l'alerte rouge, ben, ça donne ce qu'est-ce que ça donne. On ne réfléchit plus. On n'est plus dans le ici et maintenant. On est spin, spin, spin dans le passé ou peur, peur, peur du futur. Vous comprenez hein, comment ça marche? C'est vraiment comme ça que ça s'installe. Moi, une de mes spécialités, depuis que j'étudie, depuis que j'ai été thérapeute, vous le savez, pendant 20 ans, j'ai fait du bureau privé, j'enseigne, maintenant je forme des thérapeutes. Et moi, mon objectif, ma motivation derrière tout ce que je fais est de venir dégager l'inconscient de toutes ces mémoires-là et venir nous réinstaller dans un flot qui va nous mettre dans l'ici-maintenant, qui va voir qu'on va conscientiser les signes et qu'on va faire les bonnes actions, qu'on va faire les bons choix. Parce que tant qu'on spinne par en arrière, on ne voit pas clair. On est dans... Puis on ne voit pas. Notre cerveau n'est pas aligné sur... C'est quoi les signes? C'est quoi le prochain pas? OK, j'appelle telle personne. OK, je fais un petit courriel à telle autre. OK, je m'en vais dans mon auto, puis je m'en vais à telle place. Comprenez-vous? Ah, c'est ça qu'on a besoin d'installer dans notre vie. C'est les espèces de gestes qui nous amènent des solutions. Comme le soir où j'étais dans mon lit, vraiment, vraiment triste, et que mon pilote automatique de solution s'est ramené dans l'ici maintenant. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à ma bibliothèque, j'ai pris le livre. Et quand j'ai lu le texte que je viens de vous lire, ça s'est apaisé automatiquement en moi. Je me suis remis dans « ben oui, c'est ça ». Tu es en train de spinner dans quelque chose, je savais qu'est-ce que c'était, et j'ai pu m'en occuper. Alors, c'est dans les grandes, grandes clés qui sont pour moi essentielles, essentielles. Et ces cycles de répétition-là viennent
de autre vie. C'est comment voulez-vous qu'on le sache? Quand notre piton est collé, puis qu'on a de la peine, puis que ça ne va pas, puis qu'on répète, mais qu'on ne sait pas d'où ça vient, ça devient un petit peu compliqué. Alors là, ce soir, je vais vous parler de façon de venir se dégager. D'outils qui donnent des résultats extraordinaires. Et je vais aussi vous raconter deux histoires de libération avec toutes sortes d'outils possibles. Donc, on y va. La chose qu'il faut comprendre, c'est que notre vie est menée par notre inconscient. C'est lui le boss. Cerveau reptilien, inconscient. Ici, notre mental, notre cortex, cette majeure partie de notre cerveau sert à faire les listes d'épicerie, se souvenir de qu'est-ce qu'on veut manger, se souvenir de qu'est-ce qu'on a mangé hier, se souvenir de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, de nos tâches répétitives. C'est à ça que ça, et à réfléchir quand même. Et ça sert à réfléchir et à nous aider des fois peser le pour et le contre pour arriver à prendre une bonne décision. Mais quand on est pris dans le passé, même si notre cerveau intelligent essaye de peser le pour et le contre, il y a un petit peu de misère parce qu'il y a un peu de friture sur la ligne. Donc, notre conscient gère les informations que les yeux voient, que les oreilles voient, que les sens captent. Notre conscient, notre cerveau, notre cortex gère 2000 bits d'informations par seconde. C'est pas beaucoup. Très bon ordinateur en gère beaucoup, beaucoup plus que ça. Notre inconscient, lui, gère 3 milliards de bits d'informations par seconde. Alors, entre 2000 et 3 milliards, je dirais qu'il y a un monde infini de différences. Notre inconscient, il va enregistrer tout. Le moindre petit son, le moindre mouvement, l'odeur, le changement d'atmosphère. Tout est codé dans notre inconscient et c'est lui qui va mener notre vie selon les empreintes qu'il a subies. Et ce qui donne le plus d'empreintes à notre inconscient, c'est ce qui nous a fait le plus de peine, ce qui nous a fait le plus peur, ce qui nous a le plus impacté, ce qui a le plus impacté notre lignée, nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Jusqu'à des fois 30 générations en haut. Tout ça est codé dans nos cellules et est codé dans notre inconscient. Et il détient aussi toutes les détails de toutes les mémoires de nos autres vies, sur les autres planètes, dans les autres dimensions, de tout ce qu'on est. Donc, toute notre vie dans l'ici maintenant est menée par le passé, par ces codes inconscients. Et moi, depuis que j'ai compris ça, puis j'ai compris ça petite, ma mère lisait « Le pouvoir de votre subconscient » de Joseph Murphy. Je pense que j'avais 10 ans, 11 ans. Puis déjà, je vivais dans une maison où on parlait du subconscient, de l'inconscient, et à quel point c'était infiniment puissant. Voyez-vous comment ça marche? Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des chemins pour avoir accès à l'inconscient. Et ça, je vous dirais que c'est une de mes spécialités, c'est les chemins de l'inconscient. Vous le savez pour la plupart, parce que vous m'avez vu, là, vous m'avez vu dans les lives, hein, rentrer dans mon cartable de kiné, hein, oups, vous m'avez vu tester avec mes doigts les données. Ça, c'est une façon de rentrer dans l'inconscient. La kiné rentre dans l'inconscient. La kiné, avec le test de bras, rentre dans l'inconscient. La kiné est un outil majeur et infiniment puissant pour rentrer dans l'inconscient et aller chercher les données. La beauté avec la kiné, c'est qu'on peut se tester soi-même plein de trucs avec le test du corps. On peut demander à des amis, notre chum, de tester sur notre bras. Notre corps va donner la réponse. La kiné, c'est l'intelligence innée de notre corps connecté à notre disque dur l'inconscient et les réponses arrivent comme ça. Ce qui nous permet de sortir de notre tête et de chercher, de chercher, de chercher, de chercher et de ne pas trouver.
Moi, dans mon bureau, pendant 20 ans, j'ai eu des gens qui avaient vraiment cherché pourquoi ça n'allait pas. Pas capable. Ils ne trouvaient pas. C'était enfoui profondément dans leur inconscient. Et quand j'ai appris la kiné, ça a fait Oh my God! On est rentré dans ce que moi j'appelle le TGV, la très grande vitesse de la libération, parce que l'inconscient est accessible grâce à l'intelligence de notre corps. Et notre corps, il nous le dit, oui, c'est ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Oui, tu peux manger ça. Non, mange pas ça. Oui, c'est émotionnel. Non, c'est pas énergétique. Voyez-vous, ça vient de ta mère, ça vient d'une autre vie, ça vient du transgénérationnel, ça vient de ton arrière-arrière-grand-mère. Vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter, ce qu'on vit vient dans quelque part. Et la kiné nous permet de trouver d'où ça vient. C'est vraiment, je crois, de la magie. C'est d'une infinie puissance. J'ai vu tellement de gens dans mon bureau, genre la bouche ouverte. C'est mais là, comment tu sais ça? Non, moi, je ne sais pas. Toi, tu sais, ton corps vient de me le dire. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai pas rien deviné. J'ai juste conscientisé avec toi qu'est-ce qui était là. Et j'ai monté, moi, une méthode de kiné qui est très différente des autres méthodes. Donc, j'enseigne, moi, la kiné avec les doigts, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que la kiné du corps, avec le, comme ça, puisqu'on finit par avoir mal à l'épaule. Bon. Alors, je teste avec les doigts. Dans une banque de données extraordinaire que j'ai montée, où il y a, je vous donne un exemple, 1700 émotions. Et on va rentrer et on va poser des questions. Et j'ai monté une technique, je ne sais pas si je l'ai dans ce cartable-là. Oui, je l'ai. Parce que des fois, je donne mes feuilles à mes étudiants, parce que d'autres, ils n'ont pas la feuille. Puis là, attendez, je vais vous montrer. Attendez. Je vais ouvrir mon cartable. Ça va aller mieux. J'ai monté quelque chose comme ça, qui s'appelle le portrait des trois spirales. Oui, je le montre comme ça. C'est-à-dire qu'on va tester. Disons pour une problématique, puis vous allez voir, je vais vous donner des exemples pour rentrer dans l'inconscient. Et on va tester une problématique et on va dire, disons, quelqu'un a de la misère à, disons, avoir confiance en elle quand elle est en rapport avec quelqu'un en autorité, surtout quand c'est un homme. Alors là, on va être capable, grâce à ça et grâce au test, on va être capable de dire, ça vient de la vie présente, qui est la colonne jaune, ça vient de la vie présente à combien sur 10? Puis là, on va dire, OK, ça vient de la vie présente à 3 sur 10. Pas beaucoup. On va chercher ailleurs. 3 sur 10, c'est pas beaucoup. Ça vient du transgénérationnel à combien sur 10? 6 sur 10. Oh! Ça veut dire que notre cliente ou notre client a de la difficulté avec l'autorité en cause d'une mémoire transgénérationnelle. Donc là, on peut y aller tout de suite. Et là, vous avez vu, on avait eu 3 sur 10 ici. 6 sur 10 là, on est rendu à 9 sur 10. Ça veut dire qu'il y a un petit 1 sur 10 dans autre vie. Donc, une petite mémoire de l'âme qui fait que l'âme a choisi la famille parfaite pour venir répéter ça. Et là, la pièce de théâtre s'est jouée solidement. Hein, vous savez, tout est une pièce de théâtre. La pièce de théâtre s'est jouée solidement. Et la mémoire de l'ancêtre a vraiment impacté beaucoup le client. Et là, ben, c'est là qu'il faut, c'est là qu'on sait que c'est là qu'il faut aller libérer. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être, ben, pas qui pourrait, c'est quelque chose qui est infiniment rapide comme résultat. C'est dans les 10 premières minutes d'un soin en kiné, on sait exactement la source de notre problématique. Donc, c'est vraiment magique et extraordinaire. J'ai donné un signe, pas j'ai donné un soin. À une étudiante de mon cours Cœur conscient édition spéciale. Puis là, je vois que Karine dit la blessure de l'abus spirituel. Waouh, ça m'a parlé profondément parce que je lui ai fait un soin. Pourquoi? Qu'elle se sentait avec une difficulté respiratoire. Elle traîne ça depuis des années. Même quand elle se penche par en avant, elle tousse, elle n'est pas capable. Et on a trouvé que c'était une mémoire qui venait de sa relation avec son ex et que son ex, dans une autre vie, avait vécu quelque chose qui était comme de l'abus pour l'empêcher d'être elle-même et que c'est comme si symboliquement, c'est toujours très symbolique, là. Elle avait la gorge
enroulée avec du saran wrap, là, comme ça. Puis qu'elle ne pouvait pas respirer, elle était toute prise, là, partout, partout, partout. Donc, parce qu'elle avait été empêchée d'être elle-même. Elle avait été empêchée, elle avait vécu une blessure d'abus spirituel. Et ça, on l'a trouvé grâce à la kiné, genre en 5 minutes. Donc, j'ai hâte de voir au prochain Zoom comment va aller sa respiration. Je lui ai donné des outils. Elle va faire un bout de chemin à travers ça. Alors, voyez comment que la kiné, c'est extraordinaire. La kiné, c'est comme une lecture vibratoire grâce au test d'une mémoire qui vient nous dire, OK, ça vient de là. Va chercher là. Ouvre ton coffre là, de mémoire, puis va chercher dans ce casier-là et dans ce casier-là et sors-moi les 3 dossiers. Puis on va faire du ménage et ça va aller vraiment mieux. La beauté avec la kiné aussi, parce que je vous le dis, parce que j'ai toujours plein de questions sur ça, c'est que tout le monde est capable d'en faire. C'est pas un don, c'est pas une exception. J'ai formé des centaines et des centaines et des centaines de kinés depuis 20 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui est rarissime, là. C'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Donc, de pas s'imaginer que, my God, ça prend un don spécial pour être capable de faire de la kiné, là. C'est pas du tout comme ça que ça marche. L'autre grand, grand, grand outil d'accès à l'inconscient, c'est l'hypnose. Parce qu'en hypnose, on rentre dans un état de conscience modifié. On rentre avec des ondes cérébrales plus basses et à ce moment-là, on peut aller chercher des accès à l'inconscient. Et je vous parlerai de l'hypnose en détail dans un autre live parce que j'ai des histoires extraordinaires à vous raconter sur ce que mes clients m'ont raconté en transhypnotique. Aujourd'hui, on va rester vraiment avec l'inconscient, avec les spirales de l'ici maintenant, avec l'accès à ça grâce à la kiné. Marie-Claude Gauthier me dit comment avoir des bonnes références pour un traitement kiné. Ben ça, Marie-Claude, j'ai formé moi tellement de thérapeutes extraordinaires que ça, en appelant à mon école, il y a façon d'avoir des références. Donc, je vous raconte deux histoires et finalement, je vais vous le raconter après l'affaire, un petit peu plus, parce que là, dans le flow, ça va aller mieux si je vous fais mes histoires maintenant. Et on ira après ça, à la fin, vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur Terre présentement par rapport à ces cycles de répétition-là. Donc, on y va. Je vais juste voir s'il y a d'autres questions. Martine Bouchard, oh là là, je te perds souvent ce soir. Le son, t'as l'air d'être la seule. En tout cas, tu es la seule qui le mentionne. Martine, à ce moment-là, peut-être que c'est bien de se déconnecter et de revenir. Ça peut aider. Alors, on y va. Alors, je vous raconte l'histoire de Justine. Justine, qui est une jeune fille de 14 ans, qui se présente dans un soin de kiné, justement. Et vous allez voir comment ça marche pour défaire l'empreinte du passé. Parce que Justine arrive dans le bureau, 14 ans, parce que les enfants sont pris dans les empreintes du passé, là, pas juste nous, les adultes, qui avons le privilège d'être dans les empreintes du passé. Nos petits sont dans les empreintes du passé. Dès la vie intra-utérine, foum! C'est là que les transferts d'informations se font de la mère et des spermatozoïdes. Donc, toute la mémoire cellulaire énergétique des deux parents, poum, downloadée, là, téléchargée directement dans les mémoires de l'enfant. Donc, l'enfant aussi a des empreintes du passé, bien évidemment. Son âme arrive dans quelque part et son âme aussi porte quelque chose. Donc, alors je vous raconte l'histoire de Justine. Puis je vous le raconte pour voir, pour vous montrer comment l'outil est extraordinaire. Donc, Justine a 14 ans, vit chez sa mère, est en garde partagée et elle est très, très, très sportive. Et là, elle n'arrive plus à s'entraîner. Elle n'arrive plus à faire, puis elle a vraiment du haut niveau d'entraînement. Elle n'arrive plus du tout à faire du sport parce qu'elle a trop mal au ventre. Elle a un mal de ventre aigu, grave, qu'aucun médecin n'arrive à trouver la source. Ils ont fait les tests, ils ont fait des échographies, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Mal de ventre étrange, mais qui dure depuis des semaines et des semaines et des semaines. Elle a maigri, elle n'arrive plus à s'entraîner. Et elle souffre, elle n'arrive pas à se focusser à l'école. C'est vraiment extrêmement difficile.
on trouve le thème de soin qui s'appelle « Trouver la source du mal de ventre », pas trop compliqué. Et là, on y va avec la kiné directement. Test, pouf! La première donnée qui sort, ça dit que ça appartient à l'ici maintenant. On est dans la spirale de l'ici maintenant. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'elle traîne d'une autre vie, c'est pas quelque chose de transgénérationnel. On sait tout de suite que c'est quelque chose qu'elle a vécu dans sa vie de Justine. Donc, déjà, ça nous donne un bon indice. Donc, c'est la première donnée. Première donnée, ensuite, retenir ses émotions. Justine raconte à ce moment-là, ça lui fait, parce que c'est ça qui arrive en kiné, c'est qu'on nomme la donnée, retenir ses émotions, puis là, vous autres, vous dites, ouais, mais retenir ses émotions, c'est vague. Sauf que c'est la donnée que l'inconscient de Justine a demandé qu'il sorte. C'est comme ça la beauté de la kiné. C'est pas moi, la thérapeute, qui a décidé que mon doigt va arriver à retenir ses émotions. L'inconscient, mon inconscient, c'est programmé, connecté sur l'inconscient de Justine. Et mes doigts se sont connectés sur son corps. Et la première donnée qui sort, retenir ses émotions, c'est sa donnée à elle. Et c'est à elle de me dire qu'est-ce que ça lui dit. Alors je lui dis, qu'est-ce que ça te dit? Puis elle me dit, ben là, j'ai une grosse chicane avec mon père, j'en ai pas parlé à personne, j'arrête pas d'y penser, ça me spin toujours. C'était vraiment une très, 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 très grosse chicane. Alors là, moi, je teste en kiné. Est-ce que c'est ça qu'on cherche, la chicane avec le père? Ça dit oui. On continue. Deuxième donnée, donner l'exemple. Fait que là, elle fait, ben là, elle dit, c'est exactement ce que mon père me demande de faire avec ma demi-sœur. Elle dit, c'est pour cette raison-là que je ne veux plus la garde partagée, parce que quand je suis chez mon père, je suis obligée d'être parfaite, parce que moi, il faut que je fasse l'exemple, on sait bien, parce que je suis la plus grande, j'en peux plus, puis c'est, on a eu une grosse chicane, mon père puis moi, puis je ne veux plus y aller, parce que je ne veux plus... Ah, là, ça commence à monter, je fais très bien, on continue. Troisième donnée, être aimée sans condition. Elle raconte ensuite, Justine raconte, qu'elle a l'impression que son père l'aime seulement si elle fait qu'est-ce qu'il dit. Si elle obéit, elle a l'impression que son père l'aime. Si elle est elle-même puis qu'elle fait un petit pas à sa tête, elle a l'impression qu'elle n'est pas aimée. Alors, on comprend, elle est aimée sans condition. Quatrième donnée sort, privation affective. Dès que cette donnée-là est sortie, elle se met à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Puis elle raconte que la dernière fois, à la dernière grosse chicane, son père lui a dit « Je ne veux plus te voir tant que tu ne vas pas t'excuser de ton comportement. » Imaginez. Elle avait raconté ça à personne. Elle était partie de chez son père qui lui a dit « Je ne veux plus te voir. » Elle s'est en allée chez sa mère, zipper sa bouche, mal au ventre, plus peut plus s'entraîner, médecin, rendez-vous. Personne pense que ça a un rapport avec, ben, de toute façon, quelque chose que personne ne sait. Puis elle, dans sa petite tête de 14 ans, elle ne fait pas le lien avec son mal de ventre et toute cette histoire-là avec son père. Donc, cinquième donnée, avoir perdu le désir. Elle répond, j'ai perdu le désir de le voir, je ne veux plus le voir. Puis elle se remet à pleurer, pleurer, pleurer encore plus. Sixième donnée, grotesque. Fait que là, moi, je fais « Wow, quand même, c'est une donnée spéciale. » Elle dit, mais elle, c'est sa donnée, là. C'est que moi, je fais « grotesque, je ne suis pas sûre. » Elle, sa donnée, elle pleure encore plus, puis elle fait « Oui, elle dit, c'est grotesque, mon père choisit sa nouvelle femme, puis sa nouvelle fille, à la place de moi, qui est arrivée bien avant. » Et là, elle m'explique que la grosse chicane qu'elle a eue était par rapport à sa nouvelle blonde de son père, qui lui, ben, elle voulait, c'est la blonde qui a fait la demande au père que Justine soit comme ça, puis le père n'a pas pris la part de Justine, puis a écouté sa nouvelle blonde, puis et là, ça sort, puis là, elle se met vraiment à pleurer, puis là, elle me fait, et là, est-ce que tu lis dans ma tête? Parce que là, on peut, je peux la comprendre. De toute façon, moi, beaucoup de clients m'ont dit, est-ce que tu lis dans ma tête? Alors, grotesque est un mot qui veut dire... pas rapport, ou grave. Quand on trouve que quelque chose est grotesque, parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question, c'est quoi? Quand quelque chose
quand quelque chose est grotesque, c'est comme trop gros pour être vrai, là. Ça n'a comme pas d'allure. Donc, et là, ben, elle pleure, elle pleure, elle pleure beaucoup. Et là, ben, on sait exactement qu'est-ce qui a besoin d'être dégagé. Elle, plus son mal de ventre est amplifié, rendu à ce point-là. Donc, on fait énormément de EFT. Et qui est une technique de libération émotionnelle que j'enseigne dans ma formation de kiné. J'ai un vidéo sur YouTube aussi qui s'appelle Libération et technique de libération émotionnelle que vous pouvez aller voir où je l'explique bien. Et on fait du EFT, puis pouf, 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 jusqu'à temps qu'elle pense à cette chicane-là avec son père. Ça ne fait plus grand-chose. Elle n'a plus du tout mal au ventre. Et le problème de Justine s'est réglé en une consultation. Et ça, moi, j'ai vécu ça très souvent en kiné. Très, très, très souvent. Un jour, j'avais traité une petite fille qui avait comment qu'on appelle ça? Un érythème là, rouge. Elle avait tout le visage rouge, 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 comme une tomate. Ça piquait, là, puis elle était comme plus capable. Je ne sais pas si c'est le nom d'une maladie de peau très simple. Elle avait ça, elle vient dans mon bureau. Moi, je sais que c'est un conflit de séparation. Souvent, les problèmes de peau dont je lui parle. S'est-tu passé quelque chose cet été par rapport à une peine d'être séparée de quelque chose? Puis on teste en kiné, puis ça teste séparation liée à amitié. Et elle me fait, ben oui, ma meilleure amie est déménagée, genre à Calgary. Et puis cet été, je suis allée passer 2 semaines chez elle. Puis c'est depuis que je suis revenue de là, je m'ennuie 2 fois plus. Puis tout mon visage est devenu super rouge, lié à la séparation de son amie. Donc on a fait aussi un soin de kiné plus complet. On a fait du EFT. Et non, pas tache de vin, ni couperose, ni angiome. Quelque chose de plus simple que ça, là, une affaire assez connue. Et là, elle part de mon bureau et j'ai plus jamais de nouvelles d'elle. Et un jour, je vous dirais, presque 6 mois plus tard, je suis chez moi et je suis en train de faire mes retours d'appel pour vérifier pour mes rendez-vous de consultation du lendemain. Et tout à coup, mon téléphone sonne, un numéro que je ne connais pas. Je réponds, je fais « Allô ». Et puis, la dame, elle me dit un nom. Puis je dis « Ah, oh, j'ai dit « Désolée, vous avez le mauvais numéro ». Elle fait « Ah, excusez-moi », m'a dit. « C'est pour ça que je connais votre voix. » Elle dit « Est-ce que vous vous appelez Louisanne? » Je fais « Ben oui. » J'ai dit « C'est moi. » Elle fait « Ben là. » Elle dit « Je suis la mère de la petite fille qui avait le truc de rouge dans le visage. » Mais elle dit « Ça fait des mois que je veux vous appeler pour vous dire que après la consultation, pouf! Tout son visage a été guéri et que grâce à la kiné, puis on a vraiment dégagé tout ça. Ben, elle dit, voyons donc, elle dit, je fais un faux numéro, puis c'est chez vous que j'appelle, puis je peux vous dire merci. Alors, on a vraiment ri toutes les deux. On n'en revenait pas. On n'en revenait pas, donc c'était vraiment très, très, très comique. Donc, voyez-vous, des fois, la vie, hein, comment elle nous fait des beaux petits coucous. Parce que cette journée-là, je me disais, oh, OK, grosse semaine de consultation, ça m'a recrinqué, là, j'ai fait de la consultation avec beaucoup de joie. Non, pas dermatite de peau. Vous êtes urticaire, Isa, Marie-Claude. Cette cliente-là faisait de l'urticaire. Voilà, c'était le mot qui me manquait. Pauline aussi l'a eu. Merci beaucoup à vous toutes. Elle faisait un urticaire dans le visage, exactement. Voilà. Alors, voyez-vous comment que la kiné a été extraordinaire. Je vous donne deux exemples de jeunes filles. Je vais vous donner un autre exemple qui est très intéressant aussi et qui vient de la spirale du transgénérationnel. Puis des fois, dans la spirale du transgénérationnel, c'est plus difficile d'avoir de l'information parce qu'il y a des secrets de famille et tout ça et tout ça. On continue. Deuxième exemple. Donc là, c'est Katia. Katia, qui est une femme, qui a des enfants, elle a un mari et elle se sent écrasée sous la tâche. Elle vient en consultation pour sentiment d'être écrasée sous la tâche et sentiment de répétition, de lourdeur en lien avec l'argent. Et avec, il faut toujours que je fasse tout toute seule. Donc, je suis toute seule, je manque d'argent. Donc, elle est prise là-dedans, Katia. Elle se sent épuisée, pensant qu'elle peut compter sur personne. Elle a 2 enfants de 2 pères différents. Et les 2 pères l'ont abandonnée, ben, l'ont laissée quand ils ont appris qu'elle était enceinte. Donc là, maintenant, elle est avec un 3e conjoint qui, lui, n'arrive pas à trouver de travail. Donc, 2 fois laissée enceinte, 3e conjoint, pas de travail.
elle est la source de revenus de la maisonnée et elle n'en peut plus. Et elle vient me voir en disant « Ça peut-tu finir? J'ai l'impression que je boucle, spin, toujours dans la même chose. » Attends, je vais juste voir ici, Martine me dit « Comment savez-vous détecter le problème quand c'est dans l'avant antérieur? Je le teste. » Alors, quand le client arrive, comme quand la petite Justine est arrivée, on a testé, ça venait de l'ici maintenant. Quand Katia est arrivée, on a testé et son problème avec enfant, pas d'argent, mari qui la soutient pas, ça venait du transgénérationnel. Et parfois, quand le client arrive, on teste, ça fait autre vie ou ça fait un peu de tout. Comme je vous disais en vous montrant le portrait, ça fait, il y a de la source dans les trois spirales. Il y a toujours une spirale qui sort plus fort. Quand il y a des trucs dans les trois spirales, mais des fois, ça prend quelques soins pour trouver tout. Mais quand, des fois, c'est juste une spirale, ça peut aller vite. Donc, Katia, on dit, OK, qu'est-ce qui se passe? On teste que le thème de soins est dégager le manque de support de la part des hommes et je suis seule pour pourvoir aux finances de la famille. La première donnée nous dit que tout ça vient de sa lignée. Tout de suite, on le sait, paf, ça vient de sa lignée. Particulièrement, on teste que ça vient de sa mère en lien avec le père de sa mère. Donc, que ça vient, toute cette problématique-là qu'elle vit vient de son grand-père maternel. Et ça, on l'a testé. Alors, moi, je teste. Est-ce que ça vient du côté de la mère, du père? Ça vient de la côté de la mère? C'est-tu la mère de la mère? Non, ah, la mère, voyez-vous, c'est le père de la mère. On le teste. Et le test de kiné nous donne la réponse. Donc, on voit que ce qu'elle vit, c'est un programme transgénérationnel qui vient de ce que sa mère a vécu avec son père. Et là, elle fait « Ah, mais oui, c'est tellement ça, j'y avais jamais pensé. » Elle dit « Ma mère a eu une enfance misérable avec un père violent, totalement mesquin avec l'argent. » Elle pouvait avoir rien, sa mère. Pas de jouets, pas de vêtements, pas de sorties. Barré. Et ce qui est pas le drame, mais l'ampleur aggravée de cette situation-là, c'est qu'à la mort du grand-père, ils ont trouvé de l'argent à la tonne caché dans toute la maison. Cet homme, le grand-père, avait beaucoup d'argent et il l'a caché à tout le monde et il les a fait vivre comme extrêmement pauvres jusqu'à sa mort. Donc, sa mère avait cette mémoire-là d'un homme mesquin qui ne prend pas soin et en plus qui ment. Voyez-vous? Alors, ma cliente là, était dans la répétition absolue du programme de sa mère face à son grand-père. Et là, ben, cette cliente-là, plus elle m'en parle, plus elle pleure toutes les larmes de son corps parce que là, ça sort, c'est comme elle fait « Oh my God! » C'est ça que je répète, moi, depuis 10 ans. Je répète le programme d'un homme qui ne prend pas soin, puis qu'il faut que je m'occupe de tout, puis qu'en plus, on m'abandonne parce que sa mère sentait qu'elle s'était faite abandonner. Voyez-vous? Donc, là, elle fait « OK, c'est vraiment ça. » Là, elle a beaucoup, beaucoup pleuré parce que c'est ça qui se passe hein, souvent quand tu fais une prise de conscience et que tu réalises que ça ne t'appartient pas, ben ça éveille énormément d'émotions, mais c'est des émotions de libération. Hein, ça, c'est vraiment le fun, des émotions de libération. Donc, elle réalise que tout ce qu'elle a fait dans sa vie est reproduire ses relations amoureuses, le programme de sa mère, avec l'homme qui devait prendre soin d'elle et qui n'a jamais pris soin d'elle. Elle réalise que ses enfants aussi, comme sa mère et comme elle aussi, parce que l'histoire ne le dit pas, mais oui, elle aussi, n'ont eu aucun support du père biologique et que même à ce niveau de l'arbre, le tout continue de pas de support du père biologique. Donc, on a fait avec elle aussi beaucoup de TLE, de EFT, et ça l'a amené un grand, grand, grand soulagement. Katia est revenue en soins une autre fois pour être capable d'aller encore plus loin, libérée, et son chum a trouvé un travail, et elle a pu arrêter de répéter le cycle de sa mère et de sa grand-mère
avec le grand-père qui avait plein d'argent et qui ne le disait pas à personne. Vous voyez comment c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, moi, je suis vraiment impressionnée de à quel point tout ça est puissant. À quel point tout ça est puissant. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que ça marche. Donc, la kiné, c'est magique. La kiné, c'est magique. Je suis vraiment heureuse de pouvoir encore enseigner cet outil extraordinaire-là qui amène des libérations et des libérations exponentielles. Donc, je vous rappelle que c'est normal de retomber dans notre passé parce que l'inconscient est chargé et que c'est l'inconscient le maître et que c'est lui qui y va. Donc ça, c'est normal. Ensuite, c'est normal. Je vais amener un petit bémol dans quelques secondes. C'était normal jusqu'à maintenant sur Terre. C'était normal pour une période qui est en train de se terminer. Je crois, moi, que ce cycle-là, qu'on appelle le cycle du karma, qu'on appelle le cycle des répétitions, je crois que c'est un cycle qui s'achève. Est-ce qu'il va s'achever dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'il va s'achever dans 30 ans? Est-ce qu'il va s'achever dans 2 ans? Je ne le sais pas, le moment. Mais je sais que nous sommes dans une grande fin de cycle de ce spinage-là dans la répétition. Il y a quelque chose qui est en train d'être libéré. Il y a des grands, grands, grands cycles de vie qui se vivent présentement, des grandes fins de cycles qui se vivent présentement sur Terre, qui sont des grands cycles de 25, presque 26 000 ans. Et il y a quelque chose qui avait été installé pour que ça replie, comme si on était dans une spirale qui se replie sur elle-même. Donc, c'est pour ça que nous avons tous cette empreinte-là, ce pattern-là de être pris dans nos cerveaux reptiliens avec les peurs, puis avec toutes les non-dits, puis avec qu'on parle pas trop de nos émotions, puis qu'il y a plein de secrets, puis qu'il faut pas avoir l'air trop ci, puis faut pas avoir l'air de ça. On vit là-dedans depuis des millénaires et c'est une période qui s'achève. Tant et aussi longtemps que c'est pas complètement achevé, on a encore besoin de venir se rappeler que quand il y a quelque chose qui nous arrive, quand il y a un symptôme qui apparaît dans notre corps, quand on a un état émotionnel, quand quelque chose nous fait réagir, il y a quelque chose qui, il y a un piton, hein, il y a un bouton qui vient d'être pesé dans notre banque de mémoire et il y a quelque chose qui vient d'être réactivé et c'est à nous, c'est notre devoir, c'est notre mission, c'est une grande importance de trouver c'était quoi. Parce que c'est en trouvant c'était quoi et d'où ça vient qu'on peut faire « je passe à autre chose ». Parce que tant et aussi longtemps qu'on espère de passer à autre chose comme par magie, ben peut-être qu'on va attendre longtemps que la magie arrive. La magie, elle vient de nos prises de conscience. La magie, elle vient de ce que nous, on crée dans notre vie, de où on vient s'investir, d'en voir clair, d'en voir pas clair. Ce soir-là, où j'avais tant de peine la semaine dernière, si je ne m'étais pas écoutée et que je ne m'étais pas levée et que je n'avais pas pris mon livre et que je n'avais pas trouvé le texte que je vous ai lu tantôt, ben j'aurais été, peut-être que je me serais endormie pas bien, peut-être que je me serais levée pas bien. Mais là, ça m'a fait « ben oui, tu le sais, tu l'enseignes, comment ça fait que tu n'y as pas pensé? » Mais c'est comme ça. Parce que quand c'est pour nous, des fois, on n'y pense pas. Et quand on n'y pense pas, ben ça s'appelle une mini-maxi-schizophrénie. Hein? C'est-à-dire, la schizophrénie, c'est une pathologie qui dit qu'on n'est pas en contact avec la réalité. Une mini-schizophrénie qui est maxi parce que tout ce bout-là, on ne le conscientise pas, mais ça peut être un très petit bout, ben c'est que nous, on a des blancs de mémoire. Moi, j'ai vu tellement de clients qui, après que les données de kiné soient sorties, me disent « Oh oui, mon Dieu! Oui, j'aurais dû m'en douter, mais je pensais pas, je n'étais pas capable de m'en souvenir. » Ou combien d'entre vous, vous avez déjà fait des prises de conscience extrêmement libératrices par rapport à vous, par rapport à la vie, et on oublie.
on oublie notre prise de conscience. On oublie qu'on le savait. Et c'est à nous de se rafraîchir la mémoire. C'est à nous d'installer un espèce de pilote automatique. Et ça serait ce que je pourrais peut-être vous conseiller de plus première étape, OK? Dès que vous réagissez à quelque chose, que ce soit une émotion, que ce soit une colère, que ce soit un découragement, que ce soit un mot physique, que ce soit quelque chose qui se répète dans votre vie, dès que vous conscientisez que ça existe, faites arrêt sur image et dites-vous, OK, d'où ça vient? D'où ça vient? Alors, vous pouvez, c'est sûr, aller chercher de l'aide avec un thérapeute qui fait de la kiné, entre autres, qui va donner des outils extraordinaires, une rapidité extraordinaire dans la réponse. Mais vous, votre mandat premier est de dire, arrêt sur image. De quoi ça parle? Ça parle de quoi à l'intérieur de moi? Puis c'est là que je dis, nous sommes 100% responsables, pas coupables. Tout ce qui se passe dans le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Justine avait mal au ventre parce qu'elle avait avalé sa grande charge émotionnelle en lien avec sa chicane avec son père. Son corps, il faisait « pas tolérer ma chérie, il faut que tu craches le morceau ». Elle a craché le morceau, puis le mal de ventre. Katia, la même chose. La petite cliente avec le truc dans le visage que je ne m'en souviens pas encore, ça c'est tellement moi. Et voyez-vous un peu, c'est comme ça que ça marche. Alors, je ne fais plus de consultations. Là, les gens me disent, mais j'ai des dizaines et des dizaines d'étudiantes diplômées extraordinaires. Merci Monique de spécifier. Moi, je prends et j'investis mon temps pour faire ce que je fais avec vous ce soir. Ça, pour moi, c'est important. Donc, je fais de l'enseignement à grande échelle pour que les gens comprennent qu'ils sont les maîtres de leur vie et que c'est à eux de prendre les rênes et de dire « c'est assez, je ne vais pas faire le robot-rose, c'est le serpent qui se mord la queue toute ma vie. » Et après ça, dire « oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? » Alors, c'est... Oui, urticaire, merci. Je ne me rentre pas dans la tête, ce mot-là. Urticaire. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal, mais je ne fais plus de consultation. Mon école, Quintessence Santé, offre encore les formations de kiné et offre des formations d'introduction à la kiné. Donc, je vous ai mis en haut mon site Internet. Vous pouvez aller voir toutes les formations qui sont offertes à l'école, qui sont des formations extrêmement puissantes et bien rodées, parce que je les donne depuis 20 ans. Donc, c'est des outils qui ont fait leur preuve, qui ont changé des milliers de vies. Moi, j'ai eu des téléphones à mon bureau et que mon adjointe me disait, j'ai eu un message d'une dame qui est allée voir une de tes étudiantes graduées et la dame te fait dire de continuer à enseigner parce qu'elle a guéri de quelque chose en 3 rencontres quand ça faisait 4 ans qu'elle était en psychothérapie. Donc, j'ai même des clients de mes étudiants qui m'appellent pour me dire « Hey, on continue! » C'est tellement, tellement extraordinaire. Odette me dit « Est-ce normal de n'avoir pas de mémoire ancienne? » Ben, c'est que tu les as, mais tu t'en souviens pas. Alors, nous avons tout engrammé. Quand on n'a pas de mémoire, moi souvent, ce que je dis à mes clients, si tu n'as pas de mémoire de ton enfance, c'est qu'il y a eu beaucoup de traumas. Donc, il y a eu beaucoup de ce que je vous disais tantôt, des mini-maxi-schizophrénies, beaucoup de bzzt dans le cerveau qui fait que tout à coup, on n'a plus de mémoire. Guylaine me dit, pour trouver un de nos problèmes, il faut être connecté à notre inconscient. C'est plus facile, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est mieux d'être aidé dans les premiers temps pour un peu comprendre. Mais au moins, ayez le réflexe de vous dire, ça m'appartient. C'est mon histoire qui se répète. Ça va faire la différence. Moi, je ne pourrais pas vous donner de références de thérapeutes dans les commentaires ici ce soir. Si vous voulez avoir des références, contactez, allez sur mon site Internet et contactez mon secrétariat et mon adjointe va se faire un plaisir de vous répondre avec joie. Vous pouvez aussi, en allant sur mon site Internet, vous inscrire à mon infolettre et vous aurez ainsi toutes les informations sur mes lives. Si vous le manquez, on l'envoie par courriel le lendemain. Vous allez avoir des informations sur tous les événements que j'organise si ça vous intéresse. Donc, et voilà, on a parlé du serpent qui se mord la queue.
On a parlé des cycles du passé et on a surtout conscientisé qu'on vit à 80% dans le passé et à 20% dans la peur d'y retourner. Et que le seul endroit où on veut être, c'est ici et maintenant. Et que la meilleure façon pour retrouver votre ici et maintenant, bien évidemment, c'est d'aller alléger vos mémoires inconscientes, alléger les programmes qui font qu'on spin dedans, alléger, lever le bouton, réaliser que c'est le grand-père, qu'on répète le grand-père, réaliser qu'on répète la grand-mère, réaliser qu'on répète ce qui s'était passé dans notre primaire en première année, réaliser qu'on répète quelque chose qu'on a vécu dans 5 autres vies, réaliser tout ça. Si le cycle de répétition s'achève, quel sera le rôle ou la raison de la réincarnation? Ah, là, Marie-Claude, grande question. On pourra en parler dans un autre live. Ça sera tout à fait sur un autre plan, ça c'est certain. Alors, voilà. Bon, alors je vois là qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des références. Alors, mes étudiantes seront bien occupées. Tant mieux pour elles. Elles le méritent. Elles ont travaillé très fort parce que c'est une formation qui se donne sur 9 mois avec des supervisions, avec des travaux, des pratiques. C'est une formation très professionnelle qui fait que les étudiantes et étudiants, parce qu'il y a quelques hommes gradués, ben sont vraiment très d'attaque est capable de vous accompagner. Claire me dit, est-ce que le FT que tu fais, est-ce en lien avec ce que là, il me manque un bout de phrase, ma belle Claire. Le FT que je fais, c'est le FT qui ressemble beaucoup à celui que j'ai sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Technique de libération émotionnelle. Donc ça, ça peut être ça. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de passer cette petite heure avec vous. Je pense que ça doit faire pas loin d'une heure. Et oui, ça fait pas loin d'une heure. Donc merci beaucoup de venir jouer avec moi, aller explorer mon site web si vous voulez et dites-vous que des outils d'accès à l'inconscient, ça existe, que c'est infiniment puissant et que la kiné, ça fait 20 ans que je l'enseigne. Pour que moi, qui aime changer de maison presque aux 2 ans, pour que moi, j'enseigne encore la même chose 20 ans plus tard, c'est parce que encore maintenant, 20 ans plus tard, je suis moi-même abasourdie de à quel point c'est puissant, de à quel point c'est rapide et à quel point c'est facile. Pour moi, c'est une passion. De toute façon, vous le voyez quand je vous parle. C'est pour moi un sens profond à ma vie de trouver comment sortir de ces cycles de répétition-là, comment sortir de ces prisons intérieures et retrouver notre pleine et totale liberté d'être. Qui nous sommes, nous, réellement, nous, dans notre couleur à nous, pas celle qui répète les affaires de sa mère, puis de son père, puis de la tante, puis de l'autre vie. Non, 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 non. Alors, on coupait tous les fils qui nous rattachent aux vieilles histoires et retrouver notre pleine et totale souveraineté. C'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel et de tellement important. Alors, merci à tous. Merci d'être là. Allez visiter mon site si vous avez des questions. Et bien, je vais vous retrouver très bientôt pour un prochain live. Je vais faire un festival de live, je pense, bientôt, parce qu'il se passe beaucoup de choses et je pense que beaucoup de gens ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des clés, d'avoir des solutions et des pistes d'allègement. Et ça va me faire plaisir de venir les partager avec vous. Belle soirée, tout le monde. À bientôt. Je vous embrasse. Bonne libération, bonne conscientisation et bon retour dans le ici et maintenant. C'est ça la clé, ici et maintenant. Bye tout le monde, à bientôt. Bye bye. Peut-être à la semaine prochaine, on ne sait pas. Bien, bye.